Le discours du CNRD est très clair. Le président du CNRD a été très clair. Il n'est pas candidat. Les membres du gouvernement ne sont pas candidats. Les membres du CNT ne sont pas candidats. Et le CNRD n'est pas un parti politique. Ce qui s'agit, c'est les partis politiques eux-mêmes qui sont en train de passer par tous les moyens, prier, aller voir les Karamoko, prendre leur rêve pour la réalité, pour dire comment vraiment on n'a qu'à éliminer ce pays. Si on élimine, on est tranquille. Hey, celui ne sera jamais éliminé dans ce pays. Et l'UFDG, l'UFDG participera à toutes ces élections. Si vous êtes sûr que vous êtes parti politique, si vous êtes sûr que vos résultats n'ont pas changé et que vous avez quitté 0,01% pour arriver à 2%, faites une assemblée générale, invitez la presse. Allez là-bas, si vous êtes sûr, allez organiser votre AG. Organisez. Je voulais vous passer ce message et vous dire que les élections vont être organisées. On a dit 2 ans. On peut tout nous reprocher. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas aller au dialogue. Jamais de la vie, nous n'avons dit qu'on ne va pas au dialogue. Ce qu'on a demandé, nous voulons un dialogue structuré. Nous voulons un dialogue organisé. Nous voulons un dialogue conformant à l'article 77 de la charte qui dit que c'est le CNRD et les forces vives qui doivent se retrouver. Nous ne voulons pas un dialogue avec 300 personnes. Nous ne voulons pas un dialogue où on va nous donner 2 millions. Non, si nous arrivons au dialogue, même si on nous donne des primes, on ne prend pas. Quand vous arrivez au dialogue, vous aimez la Guinée, vous êtes autour de la table. Si on vous donne des primes, vous refusez de prendre des primes. Il faut dire que nous ne sommes pas venus pour des primes, nous sommes venus pour la Guinée, nous sommes venus pour dialoguer. Dès que vous prenez des primes, 2 millions par jour, est-ce que vous êtes là-bas pour les primes ou bien vous êtes là-bas pour le dialogue? Si vous aimez la Guinée, vous allez dans un endroit, vous travaillez. Nous avons demandé à ce qu'on se retrouve au dialogue. Nous sommes disposés à dialoguer, mais dans un dialogue structuré. Vous avez vu, la CDAO a demandé un dialogue inclusif. Nous restons derrière ça. Je pense que la raison sera là un jour. On va nous appeler autour de la table. On va se retrouver et puis nous allons dialoguer. Vous savez, le président Sélou aime l'UFDG. Et l'UFDG aime le président Sélou. Et je vous ai dit que le président Sélou et l'UFDG sont indissociables. UFDG, Sélou, Sélou, UFDG. UFDG, plus Sélou, Sélou, plus UFDG, c'est la même chose. Le président Sélou et l'UFDG, c'est un pantalon avec 2 poches. À gauche et à droite, ça t'appartient. Nous appartenons au président Sélou, mais ce président Sélou nous appartient.